Dans la soirée du 9 février 2020, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a mené une intense activité diplomatique qui lui a permis d'abord de s'entretenir avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, nouveau président en exercice de l'Union africaine. Les discussions entre les deux dirigeants ont été centrées sur les grands dossiers qui ont marqué le 33e sommet de l'UA, notamment les conflits en Afrique et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le chef de l'État congolais a saisi cette occasion pour adresser ses vives félicitations à son frère et ami Cyril Ramaphosa, élu à la tête de l'organisation continentale. La crise libyenne, qui s'impose aujourd'hui comme une priorité pour l'Afrique, a également retenu leur attention. Le président Denis Sassou Nguesso a ensuite eu un tête-à-tête avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le raffermissement des liens d'amitié et des coopérations qui unissent le Congo et la Centrafrique, ainsi que les sujets d'intérêt commun, ont dominé les échanges entre les deux chefs d'État. Élu en décembre 2019, le nouveau président d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a conféré également avec le chef de l'État congolais sur les questions des coopérations bilatérales entre le Congo et son pays. On a parlé des relations historiques qui ont toujours existé entre nos deux pays, de la coopération, de son développement. J'ai évoqué la dernière visite d'État que j'ai effectuée en Algérie. Et on a décidé de relancer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Les deux États, faut-il les rappeler, sont impliqués dans la résolution de la crise en Libye. Une situation qui a occupé une place de choix dans les discussions entre Denis Sassou Nguesso et Abdelmadjid Tebboune. Nous avons longuement parlé de la mission que nous avons confiée aux membres du comité de haut niveau sur la Libye, d'organiser un forum de réconciliation nationale, un forum inclusif. L'Algérie, pays voisin, connaît la réalité du terrain, mais connaît les acteurs. Et nous sommes engagés, le président Tebboune et moi-même, à faire avancer ce processus